Salut tout le monde, c'est Namsti. Aujourd'hui, on se trouve sur. On aime bien cette musique. Hein. Vous voyez, une qualité de meme game. C'est vraiment incroyable ce jeu. Donc voilà, on va faire play. C'est parti. Et dans ce jeu, on peut tout faire en fait. Dans ce jeu, par exemple, on peut se faire écraser par des voitures, ce qui est vraiment super. Voilà. Comme dans la vie en fait. On peut aussi visiter Dieu, comme dans la rue. Je vais cliquer dessus. Et. On meurt. Voilà. On est mort. Une mort tuée. Surprise, pas vraiment. Ninja Magistay est mort. David Basuki est en train de faire des pubs pour l'Artero. Le créateur du jeu est un idiot. Heavy est mort. D'accord. Et là, il y a une petite information, une icône d'information qui nous dit mourir est pas bon pour la santé. C'est quoi ça? Mourir est pas bon pour la santé. Mais je sais que c'est pas bon pour la santé. Bon, là on peut choisir trois possibilités. Soit réapparaître, soit et aller en enfer. Voilà. Et il y a aussi visiter Dieu. Je pense qu'on va tous choisir la même chose, hein. Visiter Dieu. Ah oui. Vous choisissez quoi vous? Donc c'est parti. On est sur les nuages. On n'est pas dans nulle part, voilà. Il y a marqué quoi? Donc, Dieu a quitté la conversation. D'accord. Bah, avec qui en fait? Oh! Oh! J'ai pris de la sauce. D'accord. Du coup, j'ai de la lampe sauce. De la sauce de Lamborghini, d'accord. Bah, super. Super, j'ai envie de dire. Let's go. On va essayer de boire ça. Oh, salut, c'est lui. Yes. Il est trop bien ce jeu. Where's the lamb sauce? C'est n'importe quoi ce jeu. C'est quoi ce jeu? Et en plus, ce qui est pire, c'est pas ça. Bon, vas-y, on va faire. Voilà. Ah bah on est dans le désert, bah c'est super hein. Et en plus quand on meurt en fait on reçoit 5$ ou 10$, je m'en souviens plus. C'est incroyable. Et c'est une incitation à la mort en fait ce jeu. On peut pas mourir, c'est plutôt une simulation de la vraie vie je vais vous dire. Ouais voilà, on va rentrer dans le portail du désert. Oh, on peut mourir. On peut mourir dans la lave. Yes. Je suis mort. C'est super. On peut jouer à plusieurs en fait, du coup c'est cool. Bon vas-y, on va réapparaître cette fois. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre ça. Acheter le Dead Ringer pour 100$. Ah oui, ça a besoin d'un Game Pass. Et pour ça aussi, ça a besoin d'un Game Pass. J'ai pas fait le jeu. C'est quoi ça? Pourquoi il y a un baconner dans une poubelle? Pour avoir des armes, on doit travailler. Don't feel so good. Qu'est-ce qui vient de se passer? Comment il est mort? Comment il est mort? What? Comment c'est possible? Il est mort en montant les escaliers. Ah bah ouais, c'est bien une simulation de la vraie vie. Hein. On peut mourir en montant les escaliers. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis juste en train de passer par ici. Ok, le boss bah, ne l'approuve pas encore. D'accord, bon, je vais faire l'autre choix. Donc, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis un nouveau travailleur. Ok, bon, bah, si c'est comme ça, on a fait cette nouvelle machine pour décapiter les cheveux de bacon. Sérieux? Mais non, il y a déjà 95 décapitations. Mais non, ils sont tous morts. Ils ont tué 95 personnes. Bah, vas-y, on va l'essayer aussi. Mais non. C'est n'importe quoi. Maintenant, il y a 96 décapitations. Et c'est super, ça. Ok, let's go. On va faire ça. Et on va aller dans le portail du Nether. C'est vraiment Minecraft en fait, carrément. What? What? J'ai eu plein de dégâts, qu'est-ce qui vient de se passer? D'accord, j'ai réapparu. Mais il y a plein de gens qui meurent en fait. What? Bon, ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement. Je vais vous montrer en fait. Attendez. On va aller en haut là. Juste ici. On y va. Non, non, pas ici, pas ici, pas ici. Là-bas. Par l'autre côté. Et un gars, il se baigne dans du radioactif, c'est incroyable. Et donc, là, on peut trouver quelque chose. Là, en bas, il y a une potion. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, lui, j'avais pas remarqué, mais je savais qu'il y a une potion. En tout cas, il y a une potion, comme vous pouvez le voir. Voilà. Du coup, c'est une potion mystérieuse. On va la boire. Vas-y. Et on devient un gars qui fait ultra peur, en fait. Voilà, c'est clairement le cas. Là, on peut prendre un badge. Qu'est-ce que c'est que cette carte? On a une carte. Ah oui, 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 je m'en souviens. Il sert à un peu cher à ramasser de l'argent par terre. Donc, cette carte sert à avoir le boulot, en fait. Le boulot du gars qui nettoie les sols.
Voilà. Donc voilà, comme ça on peut nettoyer le sol et on reçoit de l'argent en nettoyant le sol automatiquement, voilà. Par exemple là, je suis en train de nettoyer le sol depuis environ même pas 10 secondes en fait et j'ai déjà reçu 40$. C'est incroyable. En tout cas, on peut nettoyer le sang, ça c'est plutôt stylé. Après c'est pas le seul truc qu'on peut faire. On peut aussi danser. Vas-y, on va danser. On va faire sadness. Ah oui, 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 je vais vous montrer ça. Donc on peut se faire recruter dans... Oh mon dieu. On peut se faire recruter dans cachier. Paiement 40$ par minute. D'accord, bah c'est super. Requièrement, rester derrière ce truc là pendant toute la journée. D'accord. Donc après il y a un autre job, c'est janitor. 1$ par flaque de sang. Nettoyer. Comment on fait pour travailler? Pour travailler, tu dois soit rester derrière la caisse toute la journée ou bien aller dans une salle pour prendre un balai. Voilà. J'écris un roman quoi. Voilà, voilà quoi. Adieu dame, je vais voir Dieu. Ah d'accord. Oh non, il va se suicider. Bah d'accord. Bonne visite alors. Bonne visite Elijah. Je te souhaite plein de bonnes choses. Voilà. On peut aussi faire le dab. Ça ne casse la tête en fait. Dis-moi, ça ne casse les oreilles. On peut aussi faire un rubber band. D'accord. Bah super, on danse. On peut danser, j'adore ça. J'adore danser. Voilà. On peut aussi faire l'hélicoptère. C'est vraiment n'importe quoi ce jeu. On peut faire le job d'un hélicoptère. Voilà. On peut devenir un hélicoptère. C'est vraiment incroyable en fait. Ok, après on peut faire Jojo pose. Une pose de Jojo quoi. Ok, je vois c'est quoi en guerre. On aime bien danser hein, la vie. Dans la vie. Après on peut faire quoi? Body pose. Aïe 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 aïe. Voilà, vous pouvez rentrer là-dedans. Comme ça, vous pouvez avoir un balai. Vous pouvez prendre un balai et nettoyer le sang. Vous pouvez acheter un Apple Ice Pie. Apple Ice Pie pour 20$. Si ça nous espionne, je sais pas trop, ça sert à quoi. Je rêve, on est plus rapide en fait quand on fait ça. Oui, on est un peu plus rapide en fait quand on fait ça. Voilà, en gros, on peut faire la Tripoloski quoi. La danse. On peut aussi faire la danse par défaut de Fortnite. Les fans de Fortnite vont adorer ça. Après on peut aussi faire Conga. Bah oui, vous l'avez déjà vu en fait. Il y a différentes musiques pour les jeux de pause. Il y a aussi ça, celle de Jotaro. Après il y a aussi celle-là. Ça je sais pas, c'est laquelle. Celle-là, je sais pas. je pense que c'est un peu d'eau. Ah oui, j'avais pas fait ça. Celle-ci, c'est une danse de Jojo. Il y a tellement de musique, c'est incroyable. C'est n'importe quoi. I love animes. Donc je vais aussi vous montrer quelque chose d'autre. Attendez, une petite seconde, il me faut juste quelque chose là. On peut aussi rentrer là-dedans. Ah bah non, on peut pas, c'est vrai. Vu que je glitch. Voilà. Comme ça je vais prendre tout simplement. Non. Non. Non, je me suis suicidé. Mais non. Non. Je me suis suicidé sans faire exprès. Je vais prendre la carte mais je me suis suicidé. Comment dans la vraie vie on peut se tromper entre prendre une carte et se suicider? Je comprends pas, c'est vraiment n'importe quoi. Là on peut acheter des battes de baseball pour 150 money si je me trompe pas. Let's go, je vais ouvrir la porte hein, vous inquiétez pas. Ça c'est la carte qui peut tout ouvrir en fait. Donc voilà. Et juste là la carte. On peut essayer d'appuyer sur ça. Dragon Power. Attendez, je vais essayer. What? J'ai explosé. Par exemple, on peut aller là-bas. Là, il y a une maison en fait. Il faut faire gaffe en traversant la route. La Toyota en fait, dans ce jeu, c'est la voiture la plus rapide. Je sais pas pourquoi. Donc après, on peut aller là-dedans. Voilà. Après, on peut manger un rat mort. Voilà. Non.
Et après on se transforme en zombie. Voilà. C'est super. Oui, j'ai prendre ça, mais ouais, non, je vais pas prendre ça. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ouais, il faut faire attention. Il y a des lasers. On doit pas se faire buter par les lasers. Les lasers, soit ça nous découpe des membres, soit ça nous one shot. Mais quoi là? J'en ai pas pour intérêt ici. Comme ça, vous pouvez me rejoindre de toute façon. Quoi? 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 Pourquoi? Pourquoi je suis mort? J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi je suis mort. On peut y aller. C'est bon, maintenant on peut rentrer. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Donc, il y a marqué subject, c'est Shrek. Quoi? De quoi quel Shrek? Donc, ce que je voulais vous montrer, vas-y, on va y aller tout de suite sans perdre de temps. C'est parti. Je voulais vous montrer cet endroit-là. Dangerous invention. Là, on peut acheter le gant de l'infini pour 800$. C'est vraiment incroyable. Du coup, c'est bon, on l'a acheté. 800$, c'est plutôt difficile à la fin, mais ça va, ça va, ça va. Vas-y, on va aller se téléporter à l'endroit normal et on va utiliser le gant de l'infini, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et en fait, vous voulez que je vous dise, ça fait quoi? Ça enlève la moitié du serveur, ça bute la moitié du serveur. Donc vas-y, on va l'utiliser. I am inevitable. I don't believe. Mais quoi? Je suis pas mort? Oh, je suis pas mort. Parce que d'habitude, je meurs aussi en fait avec la moitié. Je sais que c'est la seule fois où je suis pas mort. Ouais, d'accord. Exact, qui est ça? Et on peut l'utiliser qu'une seule fois en fait. Pas l'utiliser une deuxième fois par exemple. Ouais, ouais, y a plus le pierre de l'infini qui brille. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.